Alors, nous avons une bonne nouvelle sur le marché de la viande bovine, c'est la remontée des prix des jeunes bovins finis sur le marché italien. Les cotations sur la bourse de Modène ont regagné 6 centimes sur les deux dernières semaines, c'est-à-dire en semaine 44 et 45, et se situent à des niveaux bien supérieurs à ceux des années précédentes. C'est une hausse qui est saisonnière. Chaque année, en Italie, les prix remontent à l'entrée dans l'hiver. Avec les températures plus froides, les prix des quartiers avant remontent. Et en plus, on approche des fêtes de fin d'année. Et là, il y a certaines pièces des quartiers arrière qui vont se revaloriser. La perspective d'un mois de décembre festif est également favorable sur le marché allemand. Et on constate là qu'on a vraiment un changement d'ambiance d'après les commentateurs du marché allemand. C'est-à-dire qu'on était sur un marché qui était à tonnes les mois précédents et là on est sur un marché qui s'anime, une demande qui se redynamise alors qu'on a une offre qui est plutôt limitée. Et donc ça devrait permettre au prix des jeunes bovins finis sur le marché allemand de remonter également. Alors sur le marché européen des vaches de réforme, les prix ont poursuivi leur baisse saisonnière. Donc c'est une baisse saisonnière qui n'avait pas eu lieu en 2021 parce qu'on était sur un marché européen en pénurie de viande bovine. Mais cette baisse saisonnière a eu lieu en 2022 et en 2023, elle est particulièrement marquée parce qu'on a des abattages relativement élevés en Irlande et en Allemagne. Alors ça a un effet sur le marché français puisque notre marché français n'est pas hermétique au marché européen. Et donc on a de la viande d'import qui arrive à un prix qui est inférieur à celui de l'année dernière. Et donc les cotations des femelles laitières françaises sont également orientées à la baisse. Pour plus de détails sur ces marchés et pour en savoir plus sur les autres filières, vous pouvez consulter tendance-lait-viande.fr.